Cela ne sert à rien de vous cacher. Vous avez voulu les regarder. Ils vont vous faire cauchemarder. Bonsoir, soyez les bienvenus à Boyarland. Le parc d'attractions rouvre ses portes pour une soirée des plus effrayantes. Le directeur du parc et toute sa troupe sont bien décidés à vous flanquer la fosse. Deux équipes de célébrités, ou devrais-je plutôt dire d'inconscients, vont tenter de remporter un maximum de voyages à travers nos terribles attractions. Oui, c'est bien, vous êtes gentils. Je les vois qui sont en train d'accoster, faisons maintenant connaissance avec eux. Oh, c'est terrible, vous avez mangé quoi, hein? L'équipe blanche sera menée par la reine des Miss, Sylvie Tellier, qui a déjà des boyards plein les yeux. C'est pas les bonbons qu'on vient chercher, c'est tous les boyards. Préparez-vous, on arrive. Elle sera accompagnée par notre Miss France 2020, la belle Clémence Bottineau. Sans oublier l'humoriste Donnell Jacksman. Et pour atteindre la ligne d'arrivée, ils seront aidés par le sprinteur Christophe Lemaître. Ensemble, ils joueront pour l'association Les Bonnes Fées. Face à eux, l'équipe rouge pourra compter sur le mannequin Terence Tell. Je vous préviens, les blancs, on vous fera aucun cadeau. Il sera accompagné par la charmante danseuse Candice Pascal, mais aussi l'animateur Magloire. Des bonbons ou un sort? Un sort, évidemment, hein. Et pour compléter l'équipe, le célèbre aventurier Tiwa. Tous les quatre, ils joueront pour défendre les couleurs de l'association Un Sourire à la Vie. Alors, quelle équipe remportera le plus de boyards pour son association? Bonsoir, chers visiteurs. Ça va? Oui, ça va. Tant mieux, ça ne durera pas. Olivier vous attend dans le parc. Je sais que vous avez hâte d'aller jouer. Vous avez hâte d'aller jouer? Oui. Et alors, faudra un carnet de tickets. Ce carnet de tickets vous permettra de faire toutes mes attractions. Pas de quoi sûr, carnet de tickets, là. Tenez pour vous. Merci. Tenez pour vous. J'avais envie de vous souhaiter bonne chance, et puis finalement, non. Alors vous n'allez pas y aller tout seul, évidemment, hein. Passe la seconde, hop là, allez. Réveillez-vous, bande de fainéants. Et emmenez-moi avec ces visiteurs auprès d'Olivier Mine, et puis, amusez-vous bien. Et vous allez vous en rappeler cette soirée. Allez, ça, ça, et ça danse, et ça danse. Ça va pas durer. Non mais t'as dit mon père, c'est pas grave. De toute façon il fait terre. Il va être content de s'entraîner, on va être passé à ce gant là. Si l'orage gronde sur Boyarland, c'est que nos visiteurs s'apprêtent à affronter le royaume de l'horreur. La première des sept zones du parc. Je vous préviens ce soir. Vous allez frissonner. Passez le bar, magnéto. Tourvalette. Oh non. Boyarland a connu des jours heureux. Mais les temps ont changé. D'étranges et inquiétants bruits se font entendre tout autour. Entrez dans le royaume de l'horreur. Le royaume de l'horreur, ça fait peur.
Je pense que c'est pas pour moi, ça. Je flippe déjà. C'est horrible. Le royaume de l'horreur. Des attractions qui font peur. On arrive. Les cabines hantées, c'est la première attraction du royaume de l'horreur. Allez, venez. Sortez de vos voyeurs mobiles et venez me rejoindre. Allez, s'il vous plaît, venez. On va les battre. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, puisque cette première attraction, c'est une attraction en duel. Vous allez, pour chaque équipe, avoir un candidat ou une candidate qui va donc participer à ces cabines hantées. Je suppose que vous êtes impatients de savoir qui va y aller. Bah, évidemment. Mais pour ça, il faut d'abord que vous leur donniez un ticket. Oui, je ne fais pas manger non plus. Oui, non, ça n'est pas à manger, non, pas à manger. Maintenant que les tickets ont été donnés, nous allons découvrir l'identité de celles ou de ceux qui vont jouer aux cabines hantées. C'est qui ? C'est Sylvie et Tash. Avant d'y aller, je vous propose de regarder ces quelques conseils. Dans chaque cabine hantée, il faut trouver une clé qui ouvre celle d'après. Alors, n'ayez pas peur et soyez le meilleur. Les cabines hantées, une attraction qui fout les boules. Sylvie, Terence, vous êtes en possession de votre première clé. Cabine numéro 6 pour Terence. Sylvie, quel numéro ? 8. Au terme de cette attraction, vous pourrez remporter 80 boyards. 3, 2, 1, go ! Allez, viens, ça prend de rien, on y va. Allez, tout. Allez, ah, c'est bien, ça t'intéresse. Et voici maintenant parti pour leur première cabine. Allez, Sylvie ! Voilà ! Allez. La cabine ouverte est un pigeonnier. Où est-ce que c'est ? Allez, trouve. Allez, Sylvie, à la clé maintenant. Elle est sortie du réfugié. C'est pas les murs, ce qui compte. Une avance c'est pas de la part des blancs. Elle est là, je suis contre. Yes, vas-y. Terence, viens d'avoir la sienne. Sylvie est maintenant dans une cabine appelée toilette. Oh, c'est dégueulasse. On a des problèmes de chasse d'eau. Allez, vas-y. Sylvie a déjà la troisième clé. Facile. Ah non, c'est pas vrai. Allez, ouais. Il va téléphoner ma peur, en fait, Thérèse. C'est bon. Oui, vas-y, Thérèse, je fais quoi? Allez, concentré. Elle a une petite avance. Ensuite, voilà. Allez, Sylvie, maintenant, se retrouve entourée de milliers de boules. Viens les boules. Il faut trouver là-dedans la boule transparente qui contient la clé de la cabine suivante. Elle l'a récupérée. C'est bien. Une cabine d'écart. Thérèse, allez vite. Et on sait maintenant avec les boules. Balance tout, les deux mains. Sylvie a pris un peu d'avance. Par en dessous. Oh, il y a des rats. Oh là, c'est dégueu. Terence, penchez les mourants. Oui, vas-y, Thérèse, devine quoi. T'as trouvé? Allez, Terence. Vas-y, Yes! Terence, maintenant, à quitter les rats. Faut tout donner, Terence. Sylvie est maintenant dans la cabine remplie de colle. Regarde. Vas-y, Terence, tu rattrapes, Terence. Vas-y, Terence. Terence a éduit les cartes. Allez, Terence. Allez, Terence. Il est parti dans la cabine suivante. Vas-y, Terence, tiens d'abord. Des serpents, j'ai peur des serpents. Allez, Sylvie arrive maintenant à la cabine au serpent. C'est dégoûtant. Oh putain, le serpent. Vas-y. Vas-y, Sylvie, la main est repassée au blanc. Avant-dernière cabine pour Sylvie. Allez, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pendre. Allez, go! Faut faire quoi? Fais coulisser, comme ça coulisse! Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut que je rentre dedans? Rien n'est perdu! Oh. Vas-y, Thérèse! Tu viens! Fais coulisser! Allez, lâche rien! Allez! Oula, c'est pris! C'est pas la dernière! Sylvie est maintenant en train d'ouvrir la dernière cabine! C'est bien, c'est bien!
Victoire pour les Blancs, bravo. Mais non. Terence, tu peux venir. Oh, merde. Oh, mais non. C'est pas grave. Monsieur Moustache et Madame Barbe vont te donner 80 boyards pour cette première attraction, c'est très bien. Allez, lâche-les, les boyards. Hey, vous entendez ça? Ça défend la victoire, ça. 80 boyards pour les Blancs, rien pour le moment pour les Rouges, rien n'est fait, nous sommes au début. Maintenant, nous allons voir ce qui vous attend pour la suite. J'ai un plan, ah, c'est intéressant. En fait, je vais partir avec uniquement les Rouges. Nous allons à la maison des clowns. Vous avez les clowns? Ça tombe bien. La maison est faite pour vous. Allez, on suit pas 5 secondes et on retrouvera les Blancs tout à l'heure. Allez-y. Allez, la louche. Je te trouve très négligé en ce moment. Soyez gentil avec le petit Willis, il ne vous a rien fait. Sylvie, elle a été mortelle. Je veux dire, voilà, je suis vaincu. J'ai rien à dire par rapport à ça. Franchement, un grand bravo à Sylvie, t'as assuré. La meilleure a gagné, donc félicitations à toi, bravo. Ah, je suis super contente. Je partais pas avec un avantage certain, hein. Terrain très rapide, sportif et tout. Donc très contente. On démarre bien, faut continuer. Pour la sauce, il faut qu'on rapporte le maximum de boyards. Bienvenue à la maison des clowns. Libérez cet ourson, voilà votre mission. Mais un petit farceur vous causera bien des frayeurs. La maison des clowns. Pas si drôle, mais sacrément flippant. La maison des clowns. Déjà, j'aime pas le nom. Je pense que si je vois un clown, je vais pas faire la maline. Je commence déjà à flipper en fait. Nous voici donc devant la maison des clowns, c'est la deuxième attraction du royaume de l'or. Alors c'est étrange, parce que passe-moi le sucre, t'es censé être là, mais je vois que y a personne. Je sais pas ce qui se passe. Mais regardez-moi, la poupée semble réagir d'elle-même. Oh, oh, wow. Ça ne donne pas très envie d'en manger. Qui va aller dans cette maison des clowns? Pour le savoir, il faut donner le ticket à Passe-moi le sucre. Qui va être envoyé dans la maison des clowns? Passe-moi le sucre. Ah, c'est pour Magloire. Il y a 50 boyards en jeu pour la maison des clowns. Magloire, on compte sur toi. Attention, c'est dans le temps de la clepsydre. 3, 2, 1. C'est parti! Allez, Magloire, c'est parti! Allez, ramène-nous les 50 boyards! Allez, vas-y! Alors, tu as un ourson à récupérer à l'entrée. Sur le côté! Voilà! Allez, maintenant, il faut avancer le plus vite possible! Allez! Allez, arrache tout! Allez, il y a des cafards! Il faut aller vite! Voilà, très bien! Allez, avance! Vraiment, mes enfants, regardez, on a perdu du temps là, c'est tout défait. Allez, attention maintenant, allez. Défait. Ah, mais quelle horreur. Poussez-vous. Maintenant, on arrête de jouer. C'est bien, allez, continue. Dépêche-toi. On a passé la moitié déjà, allez. Tu peux le faire. Allez. Réfléchis pas. On perd un peu de temps, Magloire, allez. Réfléchis pas, c'est des oiseaux. Ah, c'est des jolis oiseaux, ça. Faut vraiment passer la seconde, hein. Je peux pas.
Internet, vous pourrez pas. Oui, et bien malheureusement, cet obstacle-là n'ayant pas été franchi, c'est perdu. C'est fini, Magla. C'était bien, bravo. Tu as fait preuve de courage jusqu'à ce moment-là, où tout d'un coup, t'as pas pu aller au-delà du serpent. Je peux pas. Allez, viens le rejoindre. Bravo. Évidemment, il y a une mauvaise nouvelle quand même dans tout ça, c'est que nous avons donc 80 boyards, encore et toujours, de différence entre vous et les Blancs, au bénéfice des Blancs, bien entendu. Maintenant, je vais aller les retrouver, c'est à eux de jouer. J'espère qu'ils ne vont pas creuser davantage pour vous cet écart. Et pour cela, je vais aller vers la dernière attraction du Royaume de l'Horreur, c'est le train de la mine. Pas simple du tout. Je vous retrouve tout à l'heure. Magloire, reprend des forces et du souffle. Ouais. À tout de suite. Boyarland a inventé le clown très méchant, celui qui fait peur, celui qui a des copains serpents par exemple. Beaucoup de souris, tout le corps qui traîne comme ça, et surtout énormément de cafards. Si les maisons des clowns c'est comme ça, je suis bien content de ne jamais y retourner. Allez, on y va pour le prochain. Ah, c'est mon vœu, désolé. Allez, les Oh, il était une fois un vilain diable qui aimait autant faire le mal que le bien. C'est pour ça qu'il aimait aussi offrir un gros chèque. C'est le feu, non? Et pour ceci, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question suivante. Et c'est un chèque d'une valeur de 5000 euros que je vous propose de gagner ce soir. Mais attention, pas seulement, hein. Sur cette première question, je vous offre également une console de jeux vidéo. Pour cela, rien de plus simple, répondez à cette question. Pour cette soirée de l'horreur, qui s'est déguisé en zombie? 1. La famille Pollu. 2. Olivier. Et moi-même. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez vite le 3632. Alors, résisterez-vous à l'appât du gain? Je ne crois pas, non? Dans cette mine abandonnée, vous aurez une mission. Trouver les solutions pour atteindre le wagon où se cache l'ourson. Le train de la mine. Une attraction validée par Olivier Mine. J'en ai entendu parler du train de la mine parce qu'il y a une ancienne Miss France, Laurie Tillman, qui l'a affrontée et je crois qu'elle en a des souvenirs assez marquants. C'est vrai que Laurie n'avait pas l'air très à l'aise, mais elle l'a quand même fait parce qu'elle est super téméraire et super courageuse. Donc si je vais dans le train de la mine, c'est une épreuve très difficile, mais je ferai de mon mieux, je serai téméraire, courageuse. Je vais vaincre mes peurs, vous pouvez compter sur moi, on est les meilleurs. Allez, venez, venez. Eh bien, figurez-vous que vous êtes toujours en tête. Ah oui. Non, normal, faut te dire. Malheureusement normal. Pour les rouges, ils n'ont pas réussi l'attraction dite de la maison des clowns. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas celui-là. C'est très rigolo, c'est vraiment très sympa. C'est vrai, Jean? Très sympa, on rit bien. Nous sommes donc avec le train de la mine dans la dernière attraction du Royaume de l'Horreur. L'enjeu est important, 50 boyards. Maintenant, l'idée, c'est bien sûr de savoir qui va y aller. Il va falloir remettre le ticket, Donnel, à passe nulle part. Parfait, nous allons pouvoir connaître l'identité de celui ou de celle qui va y aller. Oh. Ah ben c'est clair. On compte sur toi. Allez. C'est dans le temps de la clé de libre. Attention, Clémence. Allez, Clémence. J'y crois. Allez. C'est pour nous, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Go. Ne perds pas de temps, c'est rapide. Alors maintenant, il faut progresser dans la mine et rejoindre, bien sûr, à la toute fin du parcours, le wagon qui permettra à Clémence de ressortir avec le Willis. Ça sert quoi? Souffle la bougie. Voilà. Souffle la bougie. Souffle la bougie. Souffle. Visez bien quand vous soufflez. C'est bon. C'est bon, 3615. Retiens ce code qui va... Le 3615 est le code qui va lui permettre... Voilà, c'est bon. Tu tires le cadavre, là-bas. Allez, allez, laissez-la tranquille, allez! Allez, tu progresses bien, continue, faut pas que tu ralentisses, c'est parfait! Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, remets la tête, allez! C'est faux, c'est faux! Non, c'est des faux! C'est des faux gentils! Il faut que tu regardes partout, mais je peux pas! Si, il va doucement! Non! Ne touche pas! Regarde juste! Et je vois pas le numéro! À gauche et à droite! À gauche et à droite! 18! Voilà, c'est parfait! Mais. Maintenant, il faut passer les bras. T'inquiète pas! Passe les bras! Je peux pas! Aie confiance! T'inquiète pas! Ça bougera pas, t'inquiète pas! Allez, pense au manuel! Je peux pas! Passe tes bras! Faut passer tes bras pour tourner. Voilà! Voilà, c'est comme ça, exactement! Passe les bras voilà. Et fais le code! Bravo, Clémence! Regarde, continue! Ça, c'est beau, ça! Super! Très beau! C'est
très bien, tu fais le code. Ah, tranquille, respire, t'inquiète pas. Nom de Dieu. Allez. Ne jure pas. Allez, là, il faut que tu accélères un petit peu. Sinon, tu vas être... Mais si, vers les gants. Allez. Tu souffles, tu vas tranquille. Elles vont rien se faire. Allez, allez. T'inquiète, calme-toi. Allez. Allez. C'est pas la petite bébête qui va manger la grande. Bon, attends, t'es très bien. Clémence. Il n'y a plus qu'un tunnel à traverser et c'est gagné. Clémence fait demi-tour, ça veut dire que nous n'aurons pas le Willy pour ce train de la mine. Mais on peut souligner le fait qu'elle s'est bien battue et qu'elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire, oui, bah oui, compte tenu de ses peurs. Ah, bravo quand même. Bravo. J'ai trop peur. T'as été courageuse. Les serpents, c'est très très impressionnant. Quoi. Mais oui, on l'a bien vu. J'ai pas eu peur des dégâts, les rats, les mouches, c'est pas grave, j'ai mangé des mouches, y a pas de problème. Mais les serpents, c'est... Alors, c'est hyper impressionnant. J'ai quand même deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que vous êtes toujours en avance. Oui, bah. Vous avez 80 boyards en votre possession, quand les rouges n'en ont aucun. Deuxièmement, autre bonne nouvelle, c'était la dernière attraction de la zone du royaume de l'horreur. Ah, c'est fini. Dites maintenant, le bonheur est à notre porte. Enfin, le bonheur, version Boyerland. Hein. Nous allons maintenant... Mesdames et messieurs, adeptes des choses étranges, vous êtes conviés tout de suite dans le cirque de Boyerland. Allez, en voiture, partez vite, allez, vite. Moi, je suis directeur, je peux aller avec vous, pas. Mais non. Pourquoi? Mais vous n'êtes pas déguisé, là, Olivier. Ben non. Si vous y allez comme ça, bah, vous allez casser l'ambiance. Voilà, alors vous restez là. Le cirque, du latin circus, cercle, amphithéâtre pour jeu public. Si aujourd'hui il n'évoque que sourire ou bien magie, hier, on y luttait pour y garder la vie. Combat de gladiateurs face à des bêtes sans peur. Ce soir, l'histoire va se réécrire devant nous, la dresseuse du parc. N'a-t-on plus que vous. Et ma bête féroce va s'en prendre à vous. Impossible de s'évader, il va falloir l'affronter. Pour les boyards, non? Oui. Et je suis aussi un démon. Ça, vous allez le découvrir bien assez vite. Vous connaissez le jeu du chat et de la souris? Moi, oui. Eh bien, c'est à ça que nous allons jouer ce soir. Dans le rôle d'une petite souris inoffensive. Et dans le rôle du chat. Un grand matou qui va vous rendre fou. Je l'ai dressé à l'attaque. C'est mon côté démoniaque. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous demande d'accueillir la bête! Oh mon Dieu! Ah ben non! Ah mon Dieu! D'accord! Ah ouais! Il va vous faire perdre la tête. On n'a aucune chance là-dessus. Pour éviter la défaite, regardez ce petit pince-bête. On est tous ni anges, ni démons. Mais pour le découvrir, il va falloir réveiller la bête qui sommeille en chacun d'entre vous. La chasse est ouverte! La bête va chasser tour à tour trois membres de chaque équipe. Willy est décroché, vous êtes éliminé. Quand le troisième est attrapé, le temps de l'équipe est battu. Celle qui mettra le plus de temps à se faire attraper remportera 80 boyards. Vous l'avez donc compris, il y a 80 boyards à la clé. Alors du coup, les rouges, les blancs, qui souhaitent se jeter en premier dans l'arène?
Personne? Honneur au rouge. Ça m'étonne pas. Que des lâches. La bête. Ok. Nous allons donc procéder à un tirage au sort. Les rouges, c'est vous qui allez affronter la bête en premier. Je vous laisse choisir quels sont les trois concurrents de votre équipe qui vont venir affronter ma bête. Bon, mais au revoir, les enfants. Ouais. Allez. Allez. Très bien, alors en piste. Bon, les rouges, cri de guerre peut-être, non? Allez. Les rouges, tous ensemble. Pour perdre. Surtout vous. C'est avec ça que vous comptez impressionner la pour bête. Pour gagner, pour perdre, on restera toujours ensemble. Cette partie s'annonce très bien. 3, 2, 1, la chasse est ouverte. Allez. Te laisse pas avoir. Garde le moins de nounou. Non, mets les nounous violentes. Te laisse pas avoir, colle au mur. Dans le coin. Pas dans le coin. Qu'est-ce qu'il est fort. On est avec toi. Reste pas dans le coin. Reste où tu es. C'est moche que vous faites, monsieur. Oui, viens. Pas toi. C'est un malade, ce type. C'était formidable. Les blancs, pensez-vous pouvoir faire mieux? Facile. Quels sont les trois concurrents de votre équipe que vous souhaitez envoyer? 2, 3. Très bien, vous pouvez prendre place. Oh, c'est flippant. C'est pas une position naturelle, ça. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. La chasse est ouverte. Hey, la bête. Te laisse pas coincer. Comme ça. Vous plaît beaucoup, les blancs. Te laisse pas coincer. Sur la gueule. J'imagine que vous n'avez qu'une envie, savoir qui des rouges, qui des blancs, et rester le plus longtemps dans l'arène. Eh bien, ce sont... les rouges qui ont gagné. Félicitations les rouges, vous avez gagné 80 boyards. Yes. Mais ce n'est pas tout, les rouges. J'ai une autre bonne nouvelle. Je suis un ange gardien d'une précieuse carte. Un joker qui vous donnera un avantage lors d'une prochaine attraction. Yes. Mais ce joker, il va falloir le gagner. Regardez plutôt. Plutôt ange ou démon, qu'importe, les rôles s'inversent. Les chats deviennent souris et les souris se transforment en chats. Choisissez les deux meilleurs chasseurs qui viendront à bout de la bête. La chasse est ouverte. Vous avez 60 secondes. Le joker est à vous. Alors, pensez-vous être plus fort que la bête? Ah, la revanche. Les rouges, quels sont les deux concurrents que vous souhaitez envoyer dans l'arène? Très bien, alors en piste. On en avait nous, surtout moi. Vous verrez, une minute, c'est long et court à la fois. Vous êtes prêts? Oui. Moi, je suis prête en tout cas. 3, 2, la chasse est ouverte. Les rouges, là, tu l'as presque eu, vas-y. Ne le lâche pas, ne le lâche. Vas-y, attends. Tu l'as, voyez, ça y est, il est fait. Oh là là. Ça y est, c'est bon. Il l'a chauffé. Ramène le vide individuel au panier. Les rouges, c'est gagné
l'équipe. Comment va l'équipe des Blancs? Nous sommes groupes. Parce que si on gagnait tout dès le début, après, voilà. Félicitations, les Rouges. Vous venez de remporter le Joker. Merci. La bête? Je suis très, très déçue. Au panier! Tu veux un petit carnet? Fini la bête. Encore là. Allez, ouf. Bonsoir, madame. Plus vite, plus vite. Allez. Dépêchez-vous. Bonsoir, bonsoir. Mais... à bientôt. Allez, on garde le rythme, vous endormez pas. Suivez mon voiture tout de suite. Allez, 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 dépêchez-vous, ça démarre, ça. Ça vous dirait d'embarquer pour la prochaine zone? Eh bien, suivez-moi. Vos limites. Bienvenue dans les frontières de l'extrême. Dans les frontières de l'extrême, je m'attends à de l'altitude, de la vitesse, de la hauteur. Bonjour l'adrénaline, va falloir accrocher son cœur. Est-ce que je me sens bien aux frontières de l'extrême? Bah, j'ai envie de vous dire non. Moi, quand j'étais petite, dans les parcs d'attractions, ce que je préférais, c'était le Grand 8. Je hurlais pendant tout le tour, mais j'adorais ça. Donc, les frontières de l'extrême, un peu envie de tenter quand même. Les frontières de l'extrême, des sensations comme on les aime. Allez, venez me rejoindre. Voici la première attraction des frontières de l'extrême. C'est le Super Voyard K. C'est pas le temps de dormir. Les frontières de l'extrême, c'est justement le moment où il faut être hyper énergique. Je vous demande de donner un ticket pour chaque équipe. Allez, donne. Des bonbons ou un sort? Un sort. J'ai pas peur de vous. Mais elle est devenue totalement effrontée. Voilà. Voici maintenant les noms qui sont dévoilés. Ah. Allez, ma sœur. Christophe, Sylvie pour les Blancs, Candice et Magloire pour les Rouges. C'est bon. Alors, les Rouges, c'est bon, vous avez gagné un joker. Ah. Ah. Si il y en a un parmi vous, une, qui se sent pas d'attaque, bah vous pouvez éventuellement switcher. J'ai dit un ou une. Ouais. Peut-être qu'il faut jouer la légèreté sur ces petits trous. Décidément, c'est bien. Petite. La roue est petite, mais je sais bien, Magloire, que toi, tu vas partout, de toute façon. Nous n'utilisons pas le joker. Yes, très bien. Bon. Magloire, bien. Je reconnais bien là l'aventurier que tu es. Il garde toujours les jokers. C'est ça, il garde toujours, toi. Jusqu'à la fin, il garde. Christophe, Sylvie, Candice et Magloire, voici d'abord quelques consignes. Regarde. Vous et vos adversaires allez vous affronter dans une course endiablée. Le premier à faire 5 tours de circuit remporte la partie. Super Boyard Kart, l'attraction qui cartonne. Nos 4 candidats sont en position de départ. Je vous rappelle que l'enjeu est important. Pour l'instant, nous sommes à 80 boyards pour les Blancs. Et pour les Rouges, ça veut donc dire qu'on est vraiment au cœur de la compétition. Avec cette nouvelle attraction, vous allez pouvoir, soit les Rouges, soit les Blancs, reprendre l'avantage. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler, mes amis. Attention. C'est pas parti. Il va revenir à un moment donné. Oh, c'est pas parti. Allez, Magloire, reviens. Les un tour de fond, c'est ça? Voilà, attention. 3, 2, 1, ça marche. Yes. Là, Candice, elle s'est pas laissée quand même. Candice est toujours en tête. Mais Christophe et Sylvie la talonnent. Magloire, ils sont pignons, Magloire. Magloire se promène. Non, mais manifestement, on y avance moins vite, les gars. Sur Christophe et Sylvie, ça va se jouer à rien.
Les blancs sont en tête. Christophe, toujours en avance, suivi par Sylvie. Et Candice pour les rouges, qui ne lâche rien. Christophe en tête. Sylvie et Candice. Et puis ma gloire dans une petite demi-heure. Christophe a mal négocié son virage. Oui, Sylvie aussi. Ça pourrait bien faire les affaires de Candice. Ah non. Christophe, on est maintenant au quatrième tour. Belle reprise de la part de Sylvie. Allez, allez, Candice. Non, malgré tout, ne désespère pas. Et elle a bien raison, il n'a que quelques secondes de retard. Rien ne semble pouvoir empêcher la victoire de Christophe. C'est bon, ce qu'on peut dire, c'est la victoire des Blancs. Victoire des Blancs, bravo. C'est bon, c'est fini. C'était plus difficile pour toi. D'arrêter de rire. Oh, Magloire, est-ce que tu es déçue ou pas d'avoir participé à cette affaire? J'ai cru un instant à la victoire. Un instant seulement. Oui, quand t'étais parti tout seul. Oui, quand t'es parti. Mais je pense que c'est toi qui avais raison. Avec ce faux départ, il fallait que tu partes hier. Je demande au double passe maintenant de remettre le Willys à l'équipe des Blancs. Quand même. Autour du cou du Willys se trouvent les 80 boyards qui reviennent donc à l'équipe des Blancs. Ce qui nous donne donc 160 boyards pour les Blancs, 80 pour les Rouges. Où allons-nous après? Ah, écoutez, nous continuons les frontières de l'extrême. C'est pour les Blancs. C'est la piste de ski. Les Rouges, on vous retrouvera tout à l'heure. Et vous, les Blancs, vous partez avec patience. Allez, on y va, les gens. Aller en haut de cette piste n'aura rien de simpliste. Quand on remonte la pente, la difficulté augmente. La piste de ski, une technique hasardeuse, et c'est une chute dans la poudreuse. J'ai jamais skié de ma vie, donc pouvoir le faire à Boyerland, c'est une chance. Je sais pas s'il faut chausser des chaussures de ski ou pas. Est-ce qu'il y aura un télésiège? Je sais pas, je suis dans la surprise totale. Je pense que ça peut être très 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 drôle, j'ai hâte de découvrir. Évidemment, ils ont l'allégresse de ceux qui gagnent pour le moment, je les comprends. Venez donc devant cette piste de ski. Pour cette attraction, nous allons avoir besoin de 3 d'entre vous. Tu vas donner le petit ticket? Tu donnes le ticket où? Mais passe-tu le pas, ouais, passe. Ah, mais passe-t-il par là? Quand même, les manières. C'est pas vite, vous êtes en retard. Bon, monsieur. C'est charmant d'avoir une collection de nounours comme ça. Je vous demande de donner un ticket. Et ça, c'est derrière toi. Oui, les oursons. Il y a des oursons qui sont plus vivants que d'autres. Il faut le posséder, ouais. Maintenant que le ticket a été donné, qui sont donc les 3 personnes qui vont skier maintenant? Sylvie, Clémence, Donnet. Enfin, je fais du ski dans ma vie. Oh, non, non. Mettez-vous en place. Allez-y. Allez, Blanc. Tu l'as avec notre fils ? Ouais, vas-y, je garde. L'enjeu de cette attraction est de 50 boyards. Eh ben, ça glisse vraiment par contre. Pour l'instant, la piste est horizontale. À chaque fois que vous allez sauter d'un taquet à un autre, la piste de ski va se redresser jusqu'à arriver à 60 degrés de pente. Clément, Sylvie, Donnel, mettez-vous en place au bas de la piste, tous les 3, devant le premier taquet. Allez, vas-y. Comme ça. Faut qu'on soit stratégique. Il faut qu'on s'appuie, je sais pas comment, et on se tient à quoi, j'en sais rien. Attention, c'est dans le temps de la clepsydre qu'il faut récupérer le Willys qui se trouve tout en haut de la piste. Attention.
Il faut qu'on aille là-bas. Imagine comme c'est chaud. Comment il faut faire? Bonne chance à vous trois. Allez, Blanc, passe tu le pas, attention, pour la clepsydre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vas-y. Là, tu peux y aller tranquillement. Mais non, comment? À un moment, faut y aller, les Blancs. Allez, faut y aller, donc vas-y. Allez. N'oubliez pas que le temps s'écoule. Ah, il y a du temps, hein. Allez, faut y aller. Je réfléchis comment y aller. Il faut que tu tiennes les jambes. Voilà, voilà, c'est bien. Attendez. Je fais une différence. Vous tiens. Voilà, très bien. Donnez-la à toi, là. Mets-toi au bout, mets-toi au pied au bout. Voilà. Oh, allez, voilà, allez, ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Comment te dire? C'est quand même très improbable. Toi, ça marche, on s'en moque. C'est comment je vais passer, moi? Tu me tiens, moi, et moi, je vais te verser. Tu m'attrapes la jambe? Je t'attrape la jambe? Ah non. Saute. Tiens-moi, tiens-moi. Ah, voilà, voilà, très bien. Attention, ça va grimper. Pour le moment, la pente n'était pas très raide, mais évidemment, ça va commencer à s'accentuer. Tiens. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Attends, j'ai plus de pied, j'ai plus de prise. Il va falloir prendre davantage d'appui sur ses jambes et sauter maintenant. C'est vite, il faut que tu partes. C'est vite, hein. Attends. Et là, tu fonces. Et pour le moment, ça fonctionne. Faute. Vas-y. Oui, voilà. Attends, tu me projettes, hein. Vas-y. Très bien. Oui, parfait. Attends, je vais faire la même chose. Vas-y. Clémence, à toi. C'est que des gymnastes. Incroyable. Attends, tu fermes mes mains. Moi, je suis. Et tu vises le pied. Attends, non, Faut que Donnel vous rejoigne. Il faut aller le chercher. Comment ça, tu vas aller le chercher? Comment on peut faire? Tu mets ton pied gauche au bout et tu jumps. Ouais, Christophe a raison. Là, au bout du bout. Et après, tu jumps. Sauf pas vers la marque, mais vers le haut pour pouvoir tu retomber. Vers le haut. Et tu retournes. La piste fait 12 mètres de long et pour le moment, nous ne sommes qu'à à peine 2 mètres. Ah, voilà. Allez, allez, allez. Oui, allez, oui, oui, très bien. Je te lâche pas, je te lâche pas, je te lâche pas, je te lâche pas. Parfait. Il faudra aller plus vite par contre. La piste a continué de se redresser. Allez, allez, Clément. Je te projette avec ma main. Allez, allez, faut y aller, là, faut y aller. Voilà, voilà. Ah ah, on a perdu. Ça va? Elle a pas de pied. Elle a pas de pied. Tu te sens bondir ou pas? Toi d'abord. Comme ça, tu m'attrapes. Ok. Donnez, saute vers le haut. Voilà, comme ça, voilà. Oui, bien. Sylvie, à toi maintenant. Sylvie, tu fais pareil. Et Donnez, tu la rattrapes. 1, 2, 3. Ah, oui, 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 très bon. Exactement comme ça. Il va vraiment falloir se dépêcher maintenant. La piste vient encore de se baisser. Je crevais déjà. Faut prendre des risques maintenant. Bah, t'as pas le choix de tenter. Ah ouais, mais t'as personne pour me rattraper. Allez, Sylvie, t'es capable. Vas-y. Allez. Elle a fait la bombe. Elle a fait la technique de la bombe. Mais bon. C'est chaud, quoi. Toi qui étais tellement contente. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Ça nous fait pas des boyards en plus, mais ça nous fera des bons souvenirs. La dernière attraction des Frontières de l'Extrême est avec les Rouges et je vais aller les rejoindre immédiatement. C'est le Boyard Coaster. Partez, passez vite et on se retrouvera tout à l'heure. Allez, les gars, c'est pas fini. J'ai tenté un saut, j'ai attrapé, mais sur le bout des doigts, la victoire m'a échappé et c'est que de la frustration et j'ai envie de le refaire parce que j'ai compris comment faire pour passer les étapes, mais c'est trop tard. Mais je reviendrai. Jouer, non? Écoutez bien la question qui suit, parce que vous pourrez peut-être remporter un gros chèque. Eh, hey, c'est dément, non? Je dirais même mieux, c'est dément, non? Ah bon, bah, regardez la question. Et c'est toujours un chèque d'une valeur de 5000 euros que je vous propose de gagner ce soir. Et une deuxième chance de gagner une super console de jeu pour jouer avec toute la famille. Ne laissez pas passer votre chance et répondez à cette question. Pour cette soirée de l'horreur, Passe Nulle Part s'est déguisé en 1. Albert Einstein, 2. Frankenstein. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez vite le 3632. Bonne chance! Ces montagnes russes abandonnées, il faut escalader, puis prendre assez d'élan, et surtout avoir le cran de sauter de portion en portion pour rejoindre le wagon. Le Boyard Coaster fait de toi un cascadeur. Bah là,
je suis plus que motivé parce que les blancs ont quelques boyards d'avance, donc là je vais tout faire pour attraper le coup. Je recule jamais devant un défi, et là c'est un sacré défi pour moi, et je donnerai tout, voilà. En tout cas, les rouges, je vais ramener les boyards pour nous, vous pouvez compter sur moi. Les rouges, tous ensemble, yeah. Théoa, il est prêt. Prêt, on l'espère, pour un sans faute avec le Boyard Coaster. C'est la dernière attraction des Frontières de l'Extrême. On va donc réussir. Oh bah bien sûr, je vous rappelle que l'enjeu est important. 50 boyards. Oula. Je dois vous avouer une chose, c'est que vous êtes en retard. Oui, très bien. Mmh. Terence, tu vas donner maintenant ton ticket à Pas Si Drôle, s'il te plaît. Voilà, Pas Si Drôle. Oui, c'est étrange quand même. Oui. Il est pas si drôle, mais il est quand même un peu drôle. Théoa, comment tu te sens? Chaud. Ne refroidis surtout pas, hein, parce qu'il va falloir être extrêmement efficace. C'est dans le temps de la clepsydre que tu vas devoir récupérer le Willys. En marche. Ton équipe est avec toi. Allez, tous ensemble drôle. Mettez en marche maintenant l'attraction, s'il vous plaît. Le tapis roulant est actionné. Attention maintenant pour la clepsydre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Théoa, allez, deux tours, allez. Allez, vas-y. Allez. Parfait. Allez, respire à fond. Il est tout en haut maintenant du Boyard Coaster. T'es très bien. Prends un bon élan et vas-y. Ouais, bravo. Allez, deuxième saut maintenant pour Théoa. Tu prends un bon élan, tu t'arrêtes pas. Concentre-toi, fais attention. Évidemment, la distance est de plus en plus grande entre les différents segments du coaster. Vas-y, Théoa. Allez, respire. Là. Il est arrivé. Parfait. Attends, à la fin, là. Bravo. Allez, respire. Là, on est à 2,50 m. C'est bien. Allez, bonne concentration. Bravo. T'es un champion, mon gars. De récupérer le Willys. Tu dois monter sur le wagon. Et du wagon, tu vas devoir donc sauter maintenant pour t'emparer de l'ourson. Tu te stabilises-toi. Ouais. Ça m'a l'air plus stable, ça fait. C'est bon, il est... Très important de prendre un bon appui. Prends ton temps. Il est fort, de toute façon. Il est... Concentration maximale. Vas-y, ça va le faire. Oula, il prend un risque, là. Tu prends... Ça, c'est une très belle carte. C'est pour vous, ça. Merci beaucoup. On a géré. Bravo. Les rouges, tous ensemble. Voici 50 boyards de plus pour les rouges. On revient dans la partie, les rouges. Allez, c'est parti. Dis-moi, j'ai vu que sauter d'un élément à un autre du coaster, c'était pas le plus compliqué. Mais là, sur le wagon, j'ai senti... Vu que j'ai fait le plus grand de chemin, je me dis que c'est pas le moment de plancher. Ouais. J'ai vraiment pris le temps pour le faire à 100% réussi. Ouais. Bravo, bel équilibre. Fier de toi, tu peux l'être, vraiment. Merci. Nous allons maintenant passer à l'attraction suivante. Nous étions à la dernière attraction, les Frontières de l'Extrême. Et maintenant... Ha ! Vous la voyez ? C'est la Féronie. C'est la Féronie. Et la Féronie, elle part actuellement à la rivière enchantée. Oh ! C'est la quatrième des 7 zones du parc. Alors plutôt que de me regarder, je sais que je suis très beau. Mais enfin, allez-y, retrouvez la Féronie. Allez, la Féronie. Il était une fée à la jeunesse éternelle. Une rivière enchantée où les rêves deviennent réalité. Vous n'êtes pas du genre à ouvrir votre porte à de parfaites inconnues. À ne jamais vous éclipser d'une soirée sans vos souliers.
Vous êtes convaincu que la Belle au bois dormant était juste une grosse flémarde. Eh bien, la rivière enchantée va vous faire déchanter. Ici, les contes de fées ne s'écrivent pas, ils se vivent. On va se baigner, c'est cool. La féronie, un petit coup de baguette magique comme ça, ni vu ni connu, entre nous, on s'arrange après, mais c'est pour nous, s'il te plaît. Chacun sur son nénuphar, les rouges d'un côté, les blancs de l'autre. Sylvie, tu vas vraiment garder ce ouais, tiens. Nous sommes donc à la rivière enchantée. Mes amis, que les choses soient claires, la Féronie va vous proposer 3 jeux. Par jeu, il est possible de remporter pour son équipe 50 boyards. Ok, passons, ça marche. Plus particulièrement pour les rouges, c'est l'occasion ou jamais de se refaire une santé de ce point de vue-là. Vous avez bien besoin. Ça suffit. La seule chose, c'est que pour que maintenant la Féronie apparaisse, il va falloir que l'un d'entre vous, par équipe, jette dans la rivière enchantée un boyard, mais pas n'importe comment. Il faut lancer ce boyard en ayant, au fond du cœur, le désir ardent de la voir apparaître. La volonté. Magloire, vas-y pour les rouges, pense bien à elle. Ah, j'ai ce désir ardent. Ma féronie. Bien. Maintenant pour les blancs. Oh là, oh. D'accord. Ah, oh, okay. Cette grâce. Je veux, Sorel. Oh, regardez. La Féronie. Bonsoir la Féronie. Écoutez, je suis très surprise, vous n'êtes pas comme d'habitude. Ah oui, non, mais en fait, je ne suis pas la Féronie. Non, je suis sa cousine maléfique. La Féroce. Ah, voilà. Parce que je suis aussi féroce qu'un rhinocéros. T'es féroce, un rhinocéros ? Non, mais c'était pour la rime, vous voyez, féroce, rhinocéros, ça claque. Ben, où est la Féronie ? Non, parce que vous savez tout ce qui est les ambiances d'Halloween, comme ça, avec la peur, la terreur, la frayeur, pas du tout son truc. Alors que moi, par contre, j'adore foutre la trouille. Ah, moi, dès que je peux semer de la peur, bim bam, voilà, ça, j'adore. Regardez, je calculais. Si par exemple, je fais 3 épreuves avec à chaque fois 2 candidats, ça me permet de semer combien de trouilles ? Attendez, je vais calculer. Une trouille, deux trouilles. Attendez, 3 fois 2 trouilles, ça fait. Ça fait 6 trouilles. Hein ? Et là, ah, ah. Citrouille pour Halloween. Ah, bravo. Bravo. Immense. Vous l'avez, citrouille, c'est excellent. Et le niveau. Et oh, qu'est-ce que je suis drôle. Mais surtout très méchante. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a 2 qui vont bien se rendre compte. N'est-ce pas, Donnel et Terence? Regardez ce qui vous attend. Sur cette piste savonnée, il va falloir glisser. Et pour toucher le jackpot, vous arrêtez sur stop. Don't stop me now. Allez, bonne chance. Donnel, Terence, yes. Vous êtes donc maintenant en position et équipé. Je vous rappelle le principe. Il faut vous élancer, mais avec la bonne vitesse, car c'est tout le principe de l'auto-savonneuse, c'est d'arriver au segment qui permet de faire gagner son équipe. Pour cette auto-savonneuse, vous aurez droit chacun à 3 essais. Okay. Bonne chance à vous deux. On va commencer avec Donnel. Allez, attention. Allez, 3, allez, 2, allez. 1, wouh. C'est quand tu veux. À fond, allez. Mais il est fourré. Il va jamais s'arrêter. Allez. T'as été un peu trop puissant dans ta poussée. C'est exactement ça ce qu'il fallait. Alors attention, attention les blancs, parce qu'il y a danger. Donnel n'a pas réussi l'auto-savonneuse, ce qui veut dire que si Terence, lui, réussit, c'est un jeu gagné pour les rouges. Calmement, Terence, calmement. Tu fonces, mon gars, à toi de bien juger maintenant la vitesse que tu vas te donner. Parce que là, t'es assez lourd. Faut savoir doser, là. Un pas et t'es dessus. Un pas. Là, il est trop fort. Deuxième essai maintenant, et on repart avec Donnel. La même. Non, moins vite. Un petit peu moins vite. Non, mais va pas faire trop rien. C'est bien, petit échauffement de l'athlète. Allez, c'est pour toi. C'est pas mal parce qu'il est plus léger. Donc il va être bon. Il est peut-être pas assez. C'était un enfer. C'était bien tenté, mais c'est raté. On est maintenant avec Terence. Attention parce que Terence, là, il y a une carte à jouer. Tu peux faire gagner ton équipe. Juste un pas. Tu te mets juste dessus. Ah, je kiffe cette épreuve. J'ai l'impression, en effet. Terence, tu l'as. Non, je voulais dans l'eau encore, moi. Allez, je vous rappelle, 50 boyards sont en jeu. Pour toi, Terence. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Fais le pas.
c'est pas mal. Non, 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 non. Ah, il a compris qu'il n'arrivait pas. Extra. Alors, Tadel, c'est pour toi à nouveau. Il ne reste plus qu'un essai, c'est le dernier essai maintenant. Un essai, ok. Tadel, c'est un chouille. C'est un chouille. Rien, tu mets rien. Tu c'est mets un rien. Chouille, c'est même pas... Je te laisse porter, en fait. En fait, tu te mets juste sur le truc. Allons, chez nous. Doucement, doucement. Voilà. Voilà, mieux, j'ai l'impression. Parfait, 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 parfait. Trop fort, trop fort. Allez, trop fort, trop fort. Pas mal. Ah, attends, attends, non, 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 pas mal. Pas mal. Mais là, pas assez. Pas assez. Le problème, c'est que soit c'est trop, soit c'est pas assez. Troisième essai raté. Dernier essai. Ouais. Dernier essai, pourtant. Ouais. Mets-toi, Pierre. Mets-toi maximum à l'arrière. Arrière. T'inquiète, je l'ai. Une fiche. Il a. Possibilité pour les rouges de gagner 50 boyards. Ouais, t'es pas mal, hein. T'es vraiment pas mal. C'est pas fini, mais c'est bientôt fini. Non. C'est perdu, vous avez utilisé tous les essais qui étaient à votre disposition. Ouais, je suis désolé. Pour ce jeu, il n'y aura pas de gagnant, mais bravo quand même aux garçons. On n'aura pas 50 boyards de plus pour les rouges ou pour les blancs. Nous allons maintenant voir ce que la féroce nous a préparé pour le deuxième jeu. Ah ben j'avais prévenu, hein. Je suis féroce. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas du tout l'impression qu'ils aient eu peur. Ah non, c'est plutôt raté. Ça va, s'il vous plaît, Olivier. Mais si j'ai envie de faire flipper les gens, je peux faire des trucs qui peuvent vous terroriser. Des tempêtes de fantômes, je suis capable de semer des tsunamis d'elfes maléfiques. Ou sinon, ah non, je sais ce que je peux faire. J'ai pas. Attends. Pardon, mais je ne vois pas vraiment la différence. Mais c'est ça, le type il voit pas la différence. Je veux dire que Clémence et Candice, elles vont bien avoir la différence. Regardez ce qui vous attend. Ce serait vraiment les boules de perdre cette course de boules. Si vous voulez l'emporter, faut arriver le premier. Je suis comme boule de feu qui coule. Non, qui roule. Ah oui. Allez, bonne chance. Clémence, Candice, vous êtes chacune dans votre boule. Vous allez devoir le plus rapidement possible atteindre la ligne d'arrivée puisque c'est ce qui fera que vous ferez gagner votre équipe. Il y a toujours 50 boyards en jeu. 50 boyards pour les rouges. Et on le passe devant. Clémence, mais c'est hyper galère. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Clémence, allez, Clémence. Allez, Candice, on avance pour y aller. Allez, Candice. Elle part super vite. Vas-y, Candice. Fais une roulade. Je n'arrive pas. Allez, Clémence, allez. Clémence, prends le large. Très bien, Clémence, continue. Accroupi, fais le hamster. C'est parfait, ne cherche pas à te lever, Candice. Ouais, super, vas-y, Clémence. Très, très belle avance de la part de Clémence. Allez, c'est bien, continue. Allez, Candice, tu peux revenir. Elle est fatiguée, Clémence, elle est fatiguée. Allez, continue, tu peux encore revenir. Lâche rien, Clémence. Plus très loin d'aller d'arriver. C'est pas incroyable. C'est pas possible. C'est gagné. Les Blancs ont gagné ce jeu. Bravo Clémence. Bravo. Et bravo Candice aussi. Ouais, bravo Candice. Hein. Ah, je suis contente. Yes. Ce qui veut donc dire que les 50 boyards qui étaient en jeu sont pour vous. Vas-y Christophe. Voilà. Ouais. Ah ouais, là, elle a fait vite. Hein. Elle a vite trouvé le coup. Très loin, très loin. Les rouges, il va falloir réagir. Hein. Eh ouais. C'est pas encore vraiment. Et ben, j'ai envie de dire bravo Clémence, hein. Ah oui. Et puis surtout bravo qui? Bravo moi. C'est de la belle épreuve là que je vous ai fait, hein. C'est pas les petites épreuves de la petite Féronie. Parce que ma cousine elle est sympa, mais elle est quand même moins forte. Évidemment, c'est vous qui êtes la plus forte, oui. Ouais, et dites donc, vous êtes gonflé. Vous voulez dire que la Féroce est plus forte que la Féronie? Mais c'est parce que vous vouliez. Mais enfin, Olivier, je suis la Féronie. Je suis la Féronie qui joue à la Féroce. La Féroce est un personnage. Alors vous n'importe quoi, hein. Vous voilà, tu me mets une belle robe, tu me fais pousser le pif, et puis vous vous laissez embobiner, vous me croyez. Enfin, en même temps que vous me croyez, c'est normal parce que je suis excellente comédienne. Mais par contre, vous me critiquez comme ça, moi, à la Féronie, alors là, je suis très vexée. Alors, je suis même pas vexée, je suis fâchée. Je suis même pas fâchée, je suis hors de moi. Et franchement, je sais pas si ça me calmer là. Hein. Alors peut-être jeter des gens à l'eau, tu vois pas. Donc voilà, mais je vais faire ça. Eh, je suis obligée de faire ça, mais c'est sa faute à lui. Merci. Désolée, mais Christophe et Théoa, regardez ce qui vous attend. Le grand plongeon. Ce plongeoir impressionnant vous transformera en homme volant. Si vous voulez l'emporter, un seul moyen d'y arriver. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être celui qui va le plus loin. Bon, aller plus loin, pour gagner plein de boyards. Bonne chance.
voici prêt pour le grand plongeon et c'est Christophe qui va ouvrir le bal. Ah ouais, ça n'a pas l'air évident. Comment tu le sens là? Là, je sens mal. L'idée, c'est à un moment donné de lâcher la balançoire et de plonger le plus loin possible. C'est celui de vous deux qui aura été le plus loin qui remportera le jeu. Ok. Ah. Bonne chance à vous deux. On commence donc avec toi, les blancs, pour 50 boyards. Allez Christophe, c'est pour nous. 3, 2, 1, c'est parti. Super détente, hein. Ouais. Oula. Allez, vas-y, mec. Allez. Il nous a fait un joli plat. Et je confirme, le plat était bien réussi. Le plat que tu as fait. Pas mal, mais pas très loin. Théoura, concentre-toi bien. Voyons maintenant ce que va donner Théoura avec la balançoire pour les rouges. On y croit, Théoura. Attention, Théoura. 3, 2, 1... C'est parti! Vas-y! Vas-y, 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 vas-y! Allez, vas-y, Théoura! Il a fait pareil! Je suis pas sûr, sûr de moi, là. C'est pareil, mon gars. Je crois que c'est Christophe, non? C'est pas Christophe qui l'a donné là? Nous allons vérifier, bien sûr. Arbitrage à la vidéo. Bon, résultat! C'est Christophe qui a été le plus loin! Les blancs sont vainqueurs! Ça s'est joué à quelques centimètres, 50 boyards de plus! Je t'en prie, Sylvie, vas-y, prends maintenant les boyards du coffre enchanté et verse-les dans ta boîte. Moi, je vais. Mais moi, j'allais être très haut, c'est pour ça, j'ai le temps d'ailleurs. Ouais, allez, prenez vos boyards et allez, hein! Ma gloire, je suis au regret de te le dire, mais l'heure est un peu grave pour les rouges quand même. Là, les blancs ont vraiment creusé l'écart. Il va vraiment falloir que vous réagissiez, il y a 130 boyards d'avance. Pour clore cette rivière enchantée, la parole est donnée maintenant à la féerie. Elle fait une tronche, dis donc. Bah alors quoi, la féerie Quoi, la féerie? Quelle féerie? Non, mais elle a plus de féerie, c'est tout. La féerie, elle n'est plus là. Elle est partie en RTT, en congé formation dans un pays très lointain. Mais dorénavant, régnera sur ce nénuphar uniquement la vilaine féroce. Puisque, apparemment, pour monsieur Olivier Mine, la féerie n'est pas assez forte. Allez, mais la prenez pas comme ça, voyons. Vous êtes très puissante aussi. Enfin, je le sais, je leur permet de gagner plein de boyards, je leur permet d'avancer dans les aventures. Et d'ailleurs, je vous félicite vraiment tous les candidats, vous avez été super. Par contre, vous, je ne vous félicite pas. Vous m'avez brisé le cœur, vous pouvez fuir là. Hein. Je m'appelle Olivier Mine, la journée est passée forte. Et oh, ça va, oh, je sais que je suis puissant. Pas lui qui va me rappeler, attends. Mais donc. Il va m'arriver des crasses. Après la rivière enchantée, nous allons tout. Mesdames et messieurs, attention, attention, la salle des arcades est ouverte. Venez, venez vous amuser sur les plus grands jeux des stands forains. Embarquez vite en voiture, je vous amène donc à la salle des arcades, 5e des 7 zones du parc. Allez, zou! Ça va, Olivier? Écoutez, oui, je peux toujours pas y aller. Mais ça va, vous êtes très bien d'accord. Ça va, il est perdu de temps, hein. Je peux bien le faire, moi. Allez, zou! Moi, Willy Rovelli, j'ai décidé de permettre à une équipe de participer à une attraction bonus. Un ticket d'or sera remis par notre directeur à l'équipe qui sera la plus performante dans la salle des arcades. Je donnerai n'importe quoi pour avoir ce ticket d'or. Vous êtes sûr? On est venu pour le ticket d'or, on va l'avoir. Oui, je suis sûr. Mais je ferai tout pour avoir ce ticket d'or. Le directeur vous invite dans une toute nouvelle zone du parc où le rêve va devoir se gagner. Ils sont chargés de vous expliquer comment fonctionnent les jeux. Ils sont adorables. Et attention, ça va saigner. C'est moi qui l'ai faite. Enfin, je l'ai fait faire, vu que je suis le directeur. Je vais pas mettre la main dans la tambouille, quand même. Ici, mes amis, vous allez affronter les jeux adaptés des plus grands classiques de la fête foraine. Oh, à gagner un véritable ticket d'or. Ce ticket d'or vous permettra de faire une attraction supplémentaire, donc de gagner des boyards supplémentaires. Alors, pour gagner ce ticket d'or, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh ben, c'est très simple, vous allez jouer. Donc, équipe contre équipe. L'équipe gagnante, ça sera celle qui aura remporté deux jeux. Alors, qui va désigner les jeux? Oh, c'est bon. La machine. Alors, pour la faire fonctionner, ça sera très simple. Vous devrez mettre un petit boyard ici, les blancs, les rouges, et la machine se déclenche. Allez, jouons, 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 il y en a marre de parler. Alors, hop, un boyard. Aïe, elle est clémente. Maintenant, avec moi. Vous sentez la force de la machine monter en haut, là-haut. Machine ! Machine ou machine ? Vous allez jouer au Boyard Ball. C'est un jeu de morpion où il faut faire preuve de précision. Une vitre cassée, c'est une case de validée. Alors faites sauter le double vitrage et alignez trois cases. Pour ce jeu, il vous faudra de la force, de la précision et de la stratégie. Bon, à mon avis, il n'y a personne qui a ça là-dedans. Allez, chez les blancs. Chez les blancs, Donnel. Très bien. Chez les rouges, vous êtes sûr que vous voulez perdre avec lui, hein? Moi, je vais... Thérèse, Donnel, en piste. Donnel, Thérèse, vous avez donc décidé de vous ridiculiser sur cette épreuve. Tant mieux pour nous. Alors, pour savoir qui va démarrer, c'est simple. J'ai dans la main, voyez, un boyard bicolore, rouge, blanc. Je vais faire sauter la pièce. Hop, la pim, tac, tac. Et c'est les blancs qui démarrent. Voilà, plus Donnel, je crois que vous avez fait du basket. Ouais. Ça n'a rien à voir. Allez, c'est à vous. Bonne chance. Elle démarre très bien. Alors, super. Allez, Thérèse. Thérèse, concentre-toi. Allez, Donnel. Ouais. Thérèse. Oui. Oui. Ça bloquait Donnel, c'est bien. C'est intelligent. Bravo, bravo. Donnel, mets-toi en face, Donnel. Voilà, en face, tout rouge, tout droit, oui. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Donnel, c'est pas mal. Là, la diagonale. Attention. Donnel. Ça compte, on l'a dit. Donnel, il va rater. Il va rater. Le plus facile, c'est en haut. Pareil, c'est en haut. Le plus facile, c'est en haut. Comme ça. En plus, c'est grand. Mais c'est grand, t'as tout. Donnel. Pour les rouges. Alors les blancs, il faut se reprendre. On remet une pièce pour enclencher la machine qui va désigner le prochain jeu. Machine ! C'est une machine ! Oh. Oh. Vous connaissez la pêche au canard ? Oui. Oui ? Et ben là, c'est la pêche au cafard. Dans ce jeu pour faire mouche, il faut pêcher avec sa bouche. Pour être le vainqueur ce soir, attrapez tous vos cafards. Et si vous êtes le premier, le duel est remporté. Pour la pêche au cafard, il faut de l'habileté, de la dextérité, mais surtout, il faut avoir peur de rien. Et être un petit peu gourmand. Gourmand ? Un peu de gourmand, car vous allez devoir plonger votre joli minois au milieu des cafards. Alors, qui veut aller au milieu des cafards, les vénards ? Allez, j'y vais. Ouais, j'y vais. Chez les rouges, ma gloire, bravo. Chez les blancs, Sylvie, eh ben allez. Ma gloire, Sylvie, j'ai envie de vous dire, en piste. Sylvie, ma gloire, vous êtes prêts? Non. Eh bien, allez-y. Allez, 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 allez. Champion, bravo Magloire. Bravo en tout cas Magloire et je suis très très heureux maintenant d'offrir à votre équipe le ticket d'or. Le ticket d'or. Oh, regardez, c'est un véritable ticket d'or. Avec ce ticket d'or, vous allez pouvoir faire une épreuve supplémentaire là tout de suite maintenant qui va vous permettre de remporter des boyards supplémentaires au jeu des pinces. Yes.
Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Tenez votre ticket d'or, allez-y, c'est cadeau. Et puis les blancs, vous allez pouvoir ruminer cette défaite. Partez vite, ruminez bien les blancs. Ouh, Sylvie, ouh. Au revoir, bravo, Magloire, bravo. Ouh. Avec les pinces, ils vont faire la première attraction de la zone du monde. Fantastique de Boyerland. Des choses légères pour changer, des choses pas flippantes. Je pense que c'est un peu un monde qui va te désorienter. Il y a beaucoup d'attractions qui te fait un peu perdre l'essence. J'ai envie de découvrir le monde fantastique parce que ça me rappelle l'enfance. J'ai hâte de redevenir le Donnel qui avait 10 ans. Le monde fantastique, c'est fantastiquement fun. Les pinces, c'est la première attraction de la 6e zone du monde fantastique. Allez, allez les rouges. Oui, en effet, allez les rouges, venez me rejoindre. Et regardez-moi ça, il s'agit des pinces. Ah. Vous êtes vernis, car vous avez le fameux ticket d'or. Maintenant, évidemment, le ticket d'or ne fait pas tout. Il faut savoir qui va jouer le ticket d'or. Candice, remets le ticket d'or à Passe-le-Pas. Maintenant que tu as remis le ticket, nous allons connaître l'identité de celui ou de celle qui va être choisi pour les pinces. Passe-le-Pas, vous en prie. Ah ben non. C'est Magloire, ça c'est merveilleux. C'est parfait, c'est ravi. Les pinces, c'est fantastique, tu vas voir, il n'y a rien de plus simple finalement, avec un peu de bonne volonté. D'accord. Mais avant que tu y ailles, voici quelques consignes. Ce jeu de pinces grandeur nature est une sacrée aventure. Guidé par un coéquipier, deux oursons à récupérer. Mais comme vous êtes aveuglés, il ne va pas falloir se tromper. Vous allez en pincer pour les pinces. Cette attraction des pinces, l'année dernière je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai eu peur? J'ai crié et crié et crié. Magloire est en place. Ah non, 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 je veux pas y aller. Ils sont quatre. Ah, j'en ai pas vu. Hors de question. Ne me foutez pas de nos alligators. Non, 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 je n'en suis plus. Ça va très bien se passer, je sais que tu vas être un champion. Ouais. Allez, Magloire. Oh là 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 là. Il faut bien sûr quelqu'un pour te piloter. Alors, Terence, toi, tu l'as déjà fait les pinces. Ouais. Donc, je pense que tu serais peut-être le mieux à même de pouvoir contrôler les manettes. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Il faut donc attraper deux Willys en 3 essais, qui vous permettront donc de gagner 50 royales. Magloire, comment te sens-tu? Très, très, très mal. Je pars au combat tel un soldat non aguerri. Je vous quitte. Adieu. Et demain, peut-être, la campagne de l'Ossidra sans bois. Un sang de drame assez étonnant, il faut bien le dire. Passe-le-Pas, il va falloir masquer le regard de Magloire. Non, 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 mais rien du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, mais t'en fais pas, il le fait avec beaucoup de tact, de doigté. Ouais, c'est un homme très délicat. Ah ouais, carrément. Hein, il n'a pas besoin d'échelle. Ah, bonjour, mais c'est très pratique pour ça. Voilà. Excellent. Parfait. Merci beaucoup, Passe-le-Pas. Attention, 3, 2, 1. Premier essai. Ok, je te mets juste au-dessus, d'accord? Ah, mais non, mais je peux pas, je vous en supplie. T'es vraiment trop souffrant. Attention. Oh non, 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 non. Attention. Oh non, non. De quoi? Grande concentration chez Magloire, c'est logique. Je vous demande d'appeler Magloire. Impossible. Là, faut que tu tendes un peu le bras. Je t'ai mis un tout petit peu vers le bas, malheureusement. Ah, t'es vraiment trop souffrant. Non, non, je veux dire, je vous en supplie. Non, 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 non. Allez. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Là, faut tendre un peu le bras si tu peux, hein. Ouais. Non, 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 t'en supplie. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Mais... Tends les bras, tends les bras. Non, non, je veux dire, vous en supplie. Manque 10 cm. Mais c'est une question de perspective, en fait. Moi, je voyais dessus, tu vois. Non, je vous en supplie. Je vous en supplie. Non, 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 non. Non, t'en supplie. J'ai trop peur. Je voudrais descendre, je vous en supplie. Si vous me demandez d'appuyer, c'est impossible. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Attention, deuxième essai maintenant. T'inquiète pas. On est bon. Grande concentration chez Magloire, c'est logique. C'est comme un top, top. Là, le gauche, c'est toi qui vois. On est bon. Bon. Juste la jambe, là, t'inquiète. C'est la peluche qui va venir dans tes doigts. Bouge pas les doigts, ne bouge pas les doigts. T'as la peluche va venir dedans. C'est tout. Tu l'as. Génial, bravo. Remonte-moi le truc. Magloire, tu attends qu'on te dit de lâcher. Lâche pas. Ne lâche pas tout de suite.
Remonte-moi, s'il te plaît. Ok, nickel, tu t'en sors super bien. Tu t'en sors super bien. Ne lâche pas le Winnie. C'est bon, t'es bien. Tu vas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Il a été. Garde-le encore un tout petit peu. De très grand courage. Top, c'est bon. Bravo. Premier Willys de gagner. Vous en faites encore un. Je vais descendre immédiatement. T'en as un deuxième à prendre et à prendre à gagner. Je descends immédiatement, je vous en supplie. Je te mets juste au-dessus, d'accord ? Non, mais pas les alligators. Non, regarde, tu sais quoi ? Tu tapes avec tes mains. Non, je peux pas. C'est le dernier essai. Allez, ma gloire. On ne peut pas se louper. Allez. Là, t'es lanceur, on peut pas te guider d'ici. Sérieux ? Si, moi je... Ah, oui, et lequel ? Lequel tu vas ? À droite ou à gauche ? Oh là, il y en a un à droite. Ouais, ok, je le vois pas à droite. Il est où ? Je le vois pas, mais d'ici. Ah si, ça y est. Ouais. Il est vraiment au bout, non ? La stop, là, non ? Encore un peu, non ? Stop ! Ok, stop ! Stop. Voilà ! Ah, bien. Attends. Ah, génial ! Casse-toi ! Est-ce qu'il a ? Avec moi ! Génial ! L'ourson convenablement dans le caisson. Tu t'en es sorti comme un chef. Tu attends quand t'es dit de lâcher. T'as géré, bravo, je suis fier de toi, ma gloire, franchement. Calme. Tu m'as impressionné. Attention, c'est là où tout se joue. Bravo, ma gloire. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de vers là du tout? Bravo, ma gloire, tu as dépassé tes peurs. Ce bon vieux plan fait des vaches. Ah mon Dieu, quel bonheur! Maintenant, il faut bien sûr récupérer les 50 boyards. Vas-y, Candice, tu peux demander à Passe Nulle Part de te les donner. Merci. 50 boyards de plus! Yes, tu veux refaire encore un peu? Non. Encore un tout petit peu. Non, pas du tout. Vous allez me détacher tout de suite ou de cri? L'écart se réduit entre les rouges et les blancs. Voyons maintenant où nous allons. Yes. Nous allons maintenant donc vers la deuxième attraction du monde fantastique et il s'agit des tasses. Nous allons rejoindre les blancs. Allez, let's go. Ma gloire, on te retrouve dans un petit instant. Y a quelqu'un pour venir me détacher? Même si c'est le monsieur grand là, c'est pas grave. Personne. Allez, c'est parti. Merci. Écoutez, ma chère équipe, j'ai fait ça pour vous. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose. On va tout droit vers la victoire. J'adore les bonbons. Ah, je suis content, la pêche a été très bonne. Et vous aimez les bonbons? Ah, vous préférez jouer? Pour gagner un gros chèque? Voici la question. En plus des 5000 euros que vous pouvez toujours gagner ce soir, je mets en jeu sur cette nouvelle question un nouveau cadeau, une trottinette électrique. Attention, voici la question. Grâce à quel objet l'équipe rouge a-t-elle remporté une attraction bonus? 1. Un ticket d'or. 2. Un Willy d'or. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 72121 ou appelez vite le 3632. Voilà, allez, bonne chance à tous. Bon, au revoir, c'est toujours gagné. Allez, pour sortir de votre tasse, tournez 10 fois sur place. Vous buzzez le premier, la manche est remportée. Les tasses, ça passe ou ça casse. L'attraction des tasses, même si on a le tournis, même si ça tourne, et même si on a la tête qui flanche, il faut continuer et il faut garder la ligne droite pour rattraper le Willys. Ce que je vais essayer de faire, c'est de fermer les yeux pendant qu'on va tourner, et ça va être très difficile. Venez le rejoindre aux tasses, mes amis. Les loups, j'en ai là. Ah, ça t'adore ça, hein. Les soirées mousses, c'est pour toi, hein. Les deux équipes sont réunies maintenant pour cette attraction des tasses avec un enjeu important. Les tasses valent 80 boyards. Or, il y a 80 boyards de différence entre les deux. La chance de le venir. Nous allons maintenant connaître l'identité de ceux ou de celles qui vont participer à ces tasses. Pour cela, il faut bien sûr remettre un ticket à nos double passes. Vas-y, Théance, prends un ticket pour les rouges. Qu'est-ce que c'est? Allô? Win? Très n'importe quoi. Qui va y aller? Voici les noms. Clémence et Candice. N'oubliez pas qu'il y a joker pour les rouges. Si les rouges ont envie de changer, ils ont la possibilité de le faire. Conciliabule. Alors, là, je le fais. Tu fais? Bien, d'accord. Champion. Résultat du conciliabule. Nous utilisons notre joker. Dans ce cas, le joker utilisé,
va vous permettre donc de switcher. Qui va remplacer Candice? T'es où là? Champion. Allez-y, mettez-vous en place. Allez, t'es où là? Nous allons donc jouer en deux manches gagnantes. Allez, du courage. Bon, les louches, c'est à moi là. Ouais, ouais. Bonne chance à vous deux. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, t'es où là, vas-y. Allez, remettez-vous en place dans les tasses. Wow. Elle a défoncé le squelette. Attention, deuxième manche maintenant. Allez. Celle-là, elle est pour toi, Clémence. La France te regarde, Clémence. Ah, j'en peux plus. C'est ton ordre, là, ou pas? Ah, bah super. 3, 2, 1, c'est à part. Allez, 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 allez. Voilà, voilà. Clémence a bien démarré. Doucement, Clémence, doucement. Allez, Théoura, tu y es. Yes. Ah, c'est fatal. Et deuxième manche gagnante. Les rouges ont remporté les tasses. Désolée, mais il est trop rapide. Terence, tu vas pouvoir maintenant te saisir du Willys. Avec plaisir. T'es dégoûté. On n'a pas d'ourson, mais on a un squelette. 80 boyards pour les rouges grâce à Saint Willys. Égalité entre les rouges et les blancs. Moi, je dis pas. Ouais. Moi, j'applaudis pas, moi. Évidemment, les blancs font un peu viso, hein, mais c'est logique. Avec cette égalité, l'aventure continue. Je regarde mon plan. Nous allons en bout de labyrinthe maintenant. Yes. C'est encore un duel qui va attendre les deux équipes. Allez, suivez maintenant. Passez vite et passez la seconde. Je allez, vous y retrouve. Allez, allez, essayez, passe nulle part parce que ça commence à me... Ça va? Vous et votre adversaire devez trouver la sortie. Le premier qui y parvient remporte la partie. Le labyrinthe, c'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. Dans le labyrinthe de Boyerland, j'ai envie de m'amuser, mais derrière l'amusement, j'ai envie qu'on gagne. Donc il faut qu'on gagne en s'amusant, et il faut qu'on s'amuse en gagnant. S'il te plaît, Willy, fais-moi faire ce labyrinthe tout de suite. Allez, let's go! L'enjeu est de taille. Nous sommes à égalité entre les rouges et les blancs, et cette ultime attraction du monde fantastique va permettre à l'une des deux équipes de récupérer encore 80 boyards. Maintenant, qui va participer à ce labyrinthe? Eh bien, pour cela, donnez un petit ticket à Patty Drôle. Je t'en prie, vas-y, Sylvie. Après toi. Bon, mais pour l'instant, vous êtes galant. Lâche. Qui va donc jouer au labyrinthe, Patty Drôle? Qu'est-ce qu'il fait? Dans la rue. Ah, bah bravo. Oui, vous avez les idées plus claires maintenant. Voyons donc les deux noms. Vas-y, Christophe. Allez. Attention, Terence, Christophe, à mon top, vous allez pénétrer dans ce labyrinthe. Le premier qui en sort avec le Willys fait gagner son équipe. Allez, Terence. Allez, Christophe. 3, allez, 2, allez, 1, allez, allez-y. Allez, 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 allez. Alors, pour l'instant, c'est un labyrinthe de porte. Allez, Christophe. Allez, Terence. Allez, Terence. Allez, Terence. Allez, 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 allez. Ça y est, ils sont trouvés. Même. Ils arrivent à la deuxième étape du parcours. Allez, mais allez-y. Ah, il faut qu'ils remontent un tapis roulant à quatre pattes. Mais non, ouais, c'est pour aller plus vite que le tapis roulant. Mais non, c'est pas pour les... Allez, 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 allez
bras. Ils doivent maintenant se frayer un chemin à travers des élastiques. Christophe, petite avance. Allez, Christophe! Allez, Thérèse! Attends, il me retient le pied, l'enfoiré! Mais pas du tout, pas du tout! Oh, 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 Disqualifié! Allez, oui! Allez, Thérèse, reviens, reviens! Ça n'a pas empêché Christophe de rester en avance. Alors que Thérèse rentre dans la lessiveuse à son tour. Allez, Christophe, vas-y! Mais non, mais il sera vu, il va y aller! Eh oui, je comprends, il va rester comme ça, c'est pas le tout. Allez, Thérèse, 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 Ah, ben voilà. Voilà, tu ne savais pas, tu avais 80 boyards sur toi. Ah, voilà. Et deux compléments. Boyards. 337 boyards pour les rouges. 257 boyards pour les blancs. Ah, mon Dieu. Attention, attention, prodigieux, fabuleux. Ah, ça, c'est monsieur le directeur. Il est toujours là. C'est des merveilles, ouvre ses portes. Je suis sûre que vous vous disiez, bon, bah, c'est bon, on a tout vu. Ouais. Eh ben non, vous n'avez encore rien vu. Maintenant, vous allez vous rendre tout de suite au musée des merveilles. Et là, franchement, comme ça, ils vont faire. Comme ça, tout de suite, allez, montez d'abord, allez, zoom. Allez, c'est parti. Allez, roule. Filez vite. Allez. Imaginez un lieu où l'impossible devient possible. Qu'aimeriez-vous y rencontrer? Un géant. Wow. Une fée. Des animaux fantastiques. Et si je vous disais que ce lieu existe? Et que j'en ai même fait un musée. Le rideau rouge va bientôt se lever. Le spectacle va commencer. Dans le musée des merveilles de Willy Rovelli, tout est féerique, tout est magique, mais on se concentre sur la victoire, on reste focus, on se laisse pas déstabiliser, on gagne, ok? On gagne. Je suis prêt à tout pour gagner. On va mettre l'ego de côté et on va y aller. Allez les rouges, c'est pas fini. On les laisse pas revenir, hein. Allez les rouges. Attention à l'os. Oui, elle va devenir mieux. Ben oui, ce sont vos bonbons. Eh bien, je veux un petit bonbon. Regardez comme ils sont jolis. Ouais, mais y a rien, c'est... Pour ce musée des merveilles, il y a 80 boyards à gagner. Il vous faut d'abord les tickets, bien sûr. Sinon, vous ne pourrez pas avoir accès au musée des merveilles. Ticket pour les blancs, ticket pour les rouges. Bien joué. Nous allons maintenant pouvoir connaître l'identité des deux candidats qui vont y aller. Tu gagnes. On a besoin de ça. Allez, dernier duel avant la grande roue. Sylvie, Magloire, je vous en prie, le musée des merveilles est juste. C'est pour nous. Bonne chance à vous. Hop là. Allez, Magloire. Bonsoir Sylvie, bonsoir Magloire, bienvenue mes amis dans mon musée des merveilles. Alors ce soir, eh bien, vous allez voir mon musée des merveilles est merveilleusement terrifiant. Je vais vous présenter des créatures, mais créatures. Je vous poserai des questions ou alors je vous demanderai de relever des défis. Et dès qu'un défi ou une question est correcte, vous remporterez un point. Le premier de vous deux qui marquera deux points aura remporté cette épreuve. D'accord. Et repartira avec 80 boyards. Miss, Mister, il est temps d'ouvrir ce rideau. Attention. Rideau ! Ouvre-toi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Allez quand même.
Ah oui, quand même. Eh ben, je suis très très heureux de vous présenter Sacha la grenouille. Vas-y, la grenouille. C'est vrai que mon ami Sacha, il est un petit peu... désarticulé. Il est comme ça puisqu'il est revenu exprès pour vous, d'entre les morts. Alors nous allons jouer avec Sacha. Glisse-toi jusqu'à ta table de torture. Hein? Je vais vous poser une question sur les capacités extraordinaires de mon être Sacha. Oui. C'est très simple, il vous faudra appuyer sur le buzzer. Et il est où le buzzer? Je sais pas. Dedans, là, ce truc dégueu. Il est dedans, des trucs dégueu. Regarde. Voilà, oui, dedans, il y a des cafards, tout ça. Et le buzzer, il est tout en dessous. Attention, c'est sérieux. Écoutez bien la question. Tout en gardant le buste droit, est-ce qu'il peut faire pivoter ses jambes à 90 degrés? Bon, bah voilà, c'est déjà un quart de tour, c'est bien. Oui, oui, il est content déjà. Ou alors 180 degrés? 180, c'est demi-tour. Ou 360, tour complet. 180 degrés. Je peux pas. De toute façon, ça sert à rien. Sylvie a donc dit 180 degrés. Si elle a raison, elle a un point. Si elle a tort, le point ira à Magloire. Bon, Sacha, tu es prêt? Ça veut dire oui. C'est parti. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Regardez, ça va, Sacha? Oui, il va bien, il va bien. On ne peut pas aller plus loin. Là, on est à 90 degrés. Mais tu vas plus loin que ça, quand même. On continue, on continue. Non, tu vas casser. Si, il adore ça, il adore ça. Il adore ça. Si, t'adores ça. Si, il adore ça. Mais non, tu vas plus. Il adore ça, je vous dis qu'il adore ça. Arrête. Tu vas le casser, tu vas le casser. Il va y avoir. Non. À votre avis, est-ce qu'il va aller? Oui, vas-y, pour aller. On a besoin de la situation. Tourne. Si je le casse, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il y va pas. Voilà, continue. Ça va, mon Sacha? Non, faut arrêter là. Ça va, Sacha? Là, mon Sacha, il est à 180 degrés. C'est la réponse de Sylvie. Il peut faire plus ou pas? Ah non. Non, mais non. 360, je peux continuer? Mais non, arrête. Je vais vous donner le point, Sylvie, évidemment, parce que mon Sacha, il va à 180 degrés. Mais regardez, c'est exceptionnel. Regardez ça. 80 degrés, c'est énorme ce qu'il vient de faire. Applaudissez, Sacha. Bravo, mon Sacha. Bravo. Regardez, il est content. Je vous serre pas le pied. Au revoir, merci beaucoup. Bravo, un point pour Sylvie pour le moment. On continue. Voici maintenant, dans mon musée des merveilles, une étrange créature. Elle est là, derrière ce rideau. Attention. Rideau! Ah bah oui, je vous présente Christelle le scalpel. Alors elle est lanceuse de couteaux. Vous voulez que j'aille là-dessus? Bon, évidemment que je peux le faire. Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Alors allez-y. Allez, Christelle, le scalpel. Alors attendez. Non, c'est parce que... Pardon, mais je suis quand même directeur. J'ai des employés sous mes ordres. J'ai une idée, bouge pas. Non, mais vous vouliez tirer sur moi. Enfin, vous allez tirer sur moi. Regardez, il est beau, hein. Il est grand. Il est grand. Il est moi. Oui, mais il est moi. Hop, allez, vas-y. Ah, mais j'aurais pu le faire. Aïe. Aïe. Oui, bah, ça. Oui, bon. Franchement, Christelle, c'est pas non plus... Bon, j'ai bien fait de pas rester. Si t'étais handicapant. Viens à côté de moi. Vous allez vous affronter dans un duel de lancer de couteau. Pour cela, c'est très simple. Il va falloir, chacun votre tour, lancer un couteau sur mon visage. Enfin, pas celui-là, hein, celui-là. Le premier qui arrive à planter le couteau dedans marque un point. Et comme j'adore le suspense et la terreur, Sylvie, je vais donc laisser Magloire commencer. Ça va être super dur. Hein. S'il plante le couteau, bah, y aura un point partout, vu que Sylvie a eu le point tout à l'heure. Je vais lui dire encouragement, parce que là, vraiment... Non, tu rigoles, je t'encourage pas. C'est à quelqu'un que vous n'aimez pas, Magloire. Bah, vous êtes là. Ah, Sylvie. Non, mais on croit que c'est simple, mais en fait, c'est pas simple du tout. Si Sylvie marque, c'est gagné pour Sylvie. Elle repartira avec 80 boyards. Ça va, Sylvie n'est pas prête de marquer. Ah, mais Boyard, ça part de la poche. Magloire. Hey. Oh, je suis désolée, c'est pas facile. Viens, il faut planter la lame, pas le manche. Allez, Sylvie. Yes. Ils sont tous devant le récord, on dirait qu'ils sont nuls. Non, mais c'est pas facile, franchement, c'est hyper dur. Arrête de marrer, tu vas y aller, toi. Franchement, presque. Ça y est, Magloire, il a le coup de main, là. T'es pas gentil. Ça, c'est ta faute. Non. Non. Bravo. Et ça fait deux points pour Sylvie. Victoire de Sylvie. Et allez, voilà les 80 boyards. Et voilà. Je vous laisse rejoindre vos camarades avec 80 boyards de plus. Au revoir. Ne vous retournez pas. Au revoir, directeur. Et rassurez-vous, hein, des choses encore plus terrifiantes vous attendent.
qui vient de se passer, c'est quelque chose qui n'existe pas. Un coup de chance. Un coup de chance. Ah, c'est absolument incroyable. Nous revenons à l'égalité entre les rouges et les blancs. Désolé. Alors, à l'issue des 7 zones, vous êtes donc maintenant en possession, pour chacune de vos équipes, de 337 boyards. Tout va se jouer maintenant sur la grande roue pour connaître l'équipe qui pourra avoir accès au coffre-fort de Boyard. Retrouvez Passine et passe à seconde pour la grande roue. Allez, non mais même moi je peux réussir à le faire. Franchement c'est pas compliqué. Bon, en revanche alors là moi je suis sûre de réussir à vous proposer la question suivante. Écoutez bien puisqu'il y a un gros chèque à gagner. Écoutez, écoutez. C'est votre toute dernière chance de gagner les 5000 euros mis en jeu ce soir. Alors tentez votre chance maintenant et vous gagnerez également peut-être cette super trottinette électrique. Attention, voici la dernière question de la soirée. Pour cette soirée de l'horreur, passe-moi le sucre, c'est déguisé en 1. Poupée Chucky. 2. Poupée Barbie. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez vite le 3632. Faites vite, hein, c'est votre dernière chance. Bon bah allez, hein, bonne chance à vous. Ça va? Vous avez l'âme d'un casse-cou? Bienvenue à la grande roue. 18 mètres de hauteur, il ne faut pas avoir peur. L'escalader à main nue va s'avérer très ardu. La grande roue, c'est le moment de jouer le tout pour le tout. La grande roue à Boyerland, c'est l'Everest, c'est la tour Eiffel. Quand tu rentres dans le parc, tu la vois, elle est là, elle impressionne. La grande roue, c'est vraiment une épreuve hyper impressionnante. Donc il va pas falloir se louper. Préparez-vous les rouges, on va tout donner. Avec nos baguettes de fée. On est des champions. On reste jusqu'au bout. Chers visiteurs, bienvenue à la grande roue, pardon, à ma grande roue. Alors, la grande roue, c'est très simple. À l'issue de cette ultime épreuve, vous allez donc pouvoir convertir tous les boyards que vous avez accumulés dans mon parc. Vous allez les convertir en euros. Mais l'équipe qui aura remporté le plus de boyards à l'issue de cette attraction aura la chance d'aller affronter mon coffre-fort. À l'intérieur, tenez-vous bien, il y a 1 million de boyards. Et alors là, vous pourrez réaliser un véritable hold-up offert par la maison. Soyez bon, ne me décevez pas. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous allez donc, j'espère, pouvoir maintenant gagner un maximum de boyards, sachant que c'est le cumul à la fois des gains que vous avez pour le moment en votre possession, additionné à celui que vous allez gagner sur la grande roue, qui déterminera l'équipe qui pourra donc pénétrer dans le coffre-fort. Je vous propose de faire d'abord un petit point sur ce que vous avez acquis jusqu'à présent. 337 boyards à l'équipe rouge, ça c'est gagné pour votre association. Yes. Qui a envie d'ailleurs d'en dire un mot? Sourire à la vie, c'est une association qui accompagne des enfants malades atteints du cancer. Ils les accompagnent dès le diagnostic, pendant tout le long du traitement, et puis les accompagnent après retour sur la vie réelle. Pour ce qui est des blancs, vous avez vous aussi 337 boyards garantis pour votre association. Les Bonnes Fées, qui veut en parler? Eh bien, les Bonnes Fées, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans. Nous sommes 16 Miss France aujourd'hui à y participer. On est aussi en faveur de la lutte contre le cancer. On permet aux hommes et aux femmes de garder leur intégrité physique pendant la maladie en ouvrant des maisons des Bonnes Fées. D'autant plus heureux que pour vous aussi, ces boyards soient garantis. Ce qui veut donc dire que tout ce qui va arriver maintenant, c'est du bonus. Et du bonus qui peut être important. Cette grande roue, qui fait 18 mètres de haut, va devoir donc être grimpée par un candidat ou une candidate par équipe. 500 boyards, voilà le montant qui vous sera donné en bas, quand vous allez commencer votre progression. Mais le problème, c'est que bien sûr, pendant que vous allez monter, eh bien ces 500 boyards vont s'égrener. Il faudra donc le plus rapidement possible grimper et atteindre la mallette qui se trouve tout en haut pour interrompre ce décompte, afin de gagner un maximum de boyards supplémentaires. Nous allons maintenant connaître le nom des deux candidats qui vont jouer pour cette grande roue. Qui pour les rouges? Théora. Pour les blancs. Bah, on n'a pas trop le choix, mais si on veut une harmonie de force physique, on va laisser la place à un garçon. Qui va être... Moi. Théora, Christophe, je vous en prie. Allez-y, mettez-vous chacun à votre place. Allez, on est avec toi. Allez, c'est pour les bonnes fées. C'est pour les bonnes fées. Théora, Christophe, êtes-vous prêts? Yes. Prêt. 3, 2, Allez, 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 all
Christophe, allez, plus vite! Super, génial! Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Allez, Léon progresse avec une grande rapidité. Il a failli tomber. Allez! Allez, Christophe! Vas-y! Allez, allez! Alors, vas-y, vas-y! Tu as de l'avant! Allez, maintenant tu enjambes directement sur la barre carrée. Carrément, tu aurais donné. Théo, l'aide en lui donnant des conseils pour bien sûr prendre les bons appuis. Voilà. Voilà, là, mais comment ils font pour être là? Allez, passe la tête, passe la tête maintenant. Allez, accroche, non, passe la tête, passe la tête. La gloire, bien sûr, les envie énormément de vivre un moment comme celui-là. Faites-moi y mettre là-haut à leur place. Allez, pousse. Allez, chope-moi cette manette. Chope-moi cette manette. Allez. 297 boyards pour les Blancs. Venez nous rejoindre tous les deux. À l'issue de ce duel, remporté par les Rouges, je vous le rappelle, pour ce qui est des Blancs, vous avez donc un total maintenant de 634 boyards, ce qui signifie 4000 euros pour l'association des Bonnes Fées. L'équipe Rouge. Bon. Vous avez un total de 739 boyards, ce qui signifie 5000 euros pour votre association. Il y a eu 400 boyards. Et ça fait facile, bien sûr. En remportant l'aventure de ce soir, vous avez accès au coffre-fort. Bravo. Yes. Je salue bien sûr chaleureusement les Blancs. Ouais, bravo, ils n'ont pas démérité, loin de là. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer à l'intérieur de ce coffre-fort. Quelques minutes qui peuvent changer la donne. Oui, encore des boyards supplémentaires pour votre association, je l'espère. Allez-y. Yes, c'est parti. Quand il y a un défi en face, je donne le maximum. J'avais un bon adversaire en face et du coup, ça m'a donné encore plus d'énergie à aller gagner ce challenge. Théora, félicitations pour ta victoire. Je suis pas surpris finalement, c'était toi le meilleur. Mais je tiens ma revanche la prochaine fois. Une piscine de boyards attend nos vainqueurs du soir. Ne perdez pas un instant, le temps, c'est de l'argent. Le coffre-fort, vous en rêviez ? Boyardland l'a fait. Mais tard d'arriver au coffre-fort, de récupérer plein de boyards et de récolter autant d'argent pour l'association. Je pense que je vais être comme une gamine là-dedans et je vais donner le maximum. Mais le coffre-fort rempli de boyards, je trouve ça magnifique. Dès qu'on passe devant, ça attire l'œil. On est attiré par ce coffre, on a envie de plonger dedans, de faire comme Picsou et prendre toutes ses pièces et les jeter en l'air. Quel bonheur ça va être. Oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de plonger dedans. Willy, je te préviens, dans ton coffre-fort, t'auras plus rien. Palais Rouge, alors là, je suis surpris que vous ayez gagné. Oh, bah, c'est comme ça. Oui, je suis très étonnée, mais enfin bon, c'était comme ça. Alors je vous offre mon coffre-fort. À l'intérieur, 1 million de boyards. Je vous l'offre, mais attention, hein, je ne vous laisse qu'une minute trente. Hein, je veux bien être gentil, mais il y a quand même des limites. Alors soyez bons, faites au mieux. Compte sur nous. Vous l'avez compris, ici, il faut être méthodique, rapide et surtout ne pas se laisser enfermer dans le coffre-fort, sinon vous perdriez dans ce cas-là l'ensemble des boyards que vous auriez récoltés. Ah ouais, ok. Vous avez une stratégie à proposer par rapport à ce coffre-fort? Je pense qu'on va laisser passer mes trois petits écureuils qui vont aller grignoter les boyards de notre directeur. Et je vais les coacher, je vais les accompagner de ma force. Et surtout pas de piste de risque sur la dernière seconde. Attention pour 1 minute 30. 3, 2, 1, bang! Willy, notre cher directeur, a déverrouillé le coffre-fort. 1 minute 30, attention, hein. Très bien. Attention, laisse passer ton parcours. Allez, un braquage en bonne et due forme. Allez-y. Toboggan. Vous avez l'échelle et vous avez le toboggan. Allez, pour l'assaut, faites-le pour l'assaut. Ah, il y a une poussée de fête, c'est pas mal. Ah oh là là, il a tout fait tomber. Allez, Candice. Allez, vas-y. Voilà, déjà ça te prie. Ça va. Allez, vas-y. Toboggan. Oui, bien. Ça monte pas mal. Non, vite. Allez, les gars. Allez. Bien, bien. Warning.
Nous allons maintenant découvrir le montant des boyards qui ont été collectés. Alors, vérifions. Félicitations avec 527 boyards de plus. Cumulé aux 739 que vous aviez déjà, cela vous fait 1266 boyards. Vous voici maintenant les rouges à la tête de 11 000 euros. Bien joué. Ben, écoute, on aimerait faire moitié-moitié de l'argent qu'on a récolté ici avec l'équipe des Blancs. À part égale. À part égale. Oh, pour les bonnes fées. Ça, c'est un joli geste. Voilà. Merci. Absolument. Ah ben, écoute, voilà une jolie soirée. Ouais, il y a eu une compétition fair play. Et puis, il y a eu ce dernier geste-là qui vous adore les uns les autres. Bravo. Merci. On était très heureux de vous avoir avec nous. Merci. Ça va sans dire, vous serez toujours les bienvenus à Boyarland. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus maléfiques. Toujours plus horrifiques. Toujours plus diaboliques.